Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite journée dans ma peau. Je m'excuse par avance pour la semaine précédente où il n'y a pas eu de vidéo. En fait, j'ai été débordée par la maladie, la fatigue, la nouvelle chaîne qui me demande quand même pas mal de temps. Ma connexion internet aussi qui est complètement pourrie, donc je savais d'avance que ça allait être impossible de publier la vidéo. Donc j'ai préféré sauter une semaine tout simplement. J'en profite aussi pour vous dire, si mon contenu vous plaît, de ne pas hésiter à laisser un petit like et de vous abonner. Et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça montre votre soutien. Et sur ce, on va commencer la vidéo. Alors je viens juste d'arriver aux écuries. Il y en a qui sont pas réveillés. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais Eden, ma fille, elle a déjà bien grandi en 2 semaines. Voilà, comparé à Falco, et elle est déjà beaucoup plus à l'aise. Hein. Doucement. Et cet après-midi, elle a son vaccin. Rien à voir. Ça c'est Farfadet, il est arrivé il n'y a pas longtemps et lui il va au pré 2 fois par semaine et il y va toute la journée. Voilà, un grand trotteur de 6, je crois qu'il fait 7 cette année. Oh, oh, intéressé par la caméra. Ouais. On continue. Alors, pour nous aussi, en ce moment il est sous une petite cure aux plantes pour une potentielle arthrose. Lui aussi, un petit peu de grain pour le gaz à passer tout ça. Voilà. Et la cure, voilà, c'est de la poudre d'ortie. S'il y a une boiterie persistante depuis plusieurs semaines, malgré les 2 passages de l'ostéo, le repos, l'argile, etc. La couverture. Et vu son âge, on part plutôt sur de l'arthrose. Donc, qui en partie. Mimi s'est bien remis de sa blessure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il s'était blessé, il s'était ouvert très fort au postérieur derrière. Là. Ça fait maintenant 1 mois, mon bébé. Et la plaie, franchement, elle est très belle. C'est quasiment totalement refermé. Donc, prochainement, il va pouvoir retourner au troupeau avec ses copains sans souci. Maintenant on a préféré le laisser là, vu qu'il y a un parc de livres. Et lui aussi, tous les matins, il a son grain. Et il n'a pas touché à son foin. Ici, il attend vraiment son seau. Voilà. Et mon Jacquire aussi, en plus de son foin, il a du grain. Tiens. Voilà, là tout le monde a mangé, que ce soit en foin ou en grain. Parfois dès qu'il est au pré, il va y passer la journée, comme je disais. Il me reste pas mal de foin sur la brouette, donc on va préparer, comme il fait un très beau soleil de printemps, hein, clairement. On va préparer tout le foin pour le midi et pour le soir, ça m'éviterait de la reporter dans la journée. Et voilà, la journée va continuer. Hein, toute la petite troupe. Non, n'est-ce pas, il y est, hein. Voilà, j'ai fini de vider ma brouette. J'ai préparé pour tout le monde, sauf pour Chacha. J'en ai plus. Donc je vais faire un petit aller-retour pour ce qui manque. Les petites boules de poils sont toujours là. Enfin, petites, grand, moyen et petit. Et on va aller rentrer Morpheus qui doit avoir fini son grain là-bas derrière. Voilà, j'ai préparé le foin de Gitana, de tout le monde de toute façon. Mais ce qui manquait pour Gitana, j'ai remis un peu plus à Farfadet, à mon sens c'était un petit peu léger ce qu'il y avait. Donc voilà, j'étais un peu trop généreuse là sur la brouette, donc je porte gratuitement. On va remplir pour le lendemain déjà, vu que j'ai un petit peu de temps. Maintenant on rentre à la maison avec les loutres qui ne sont jamais fatiguées de s'amuser, surexcitées. On va aller prendre un petit déj, donner les croquettes à tout le monde, et tout à l'heure vers 10-11h je retournerai aux écuries pour travailler un peu Chacha et redonner, voilà, à manger à tout le monde, vérifier que tout le monde va bien, faire un petit peu de rangement à l'écurie, attention, etc. Et la journée continue. Je voulais vous montrer ça avec la petite chorale, parce que ça c'est l'organisation tous les matins pour toutes les croquettes de toute la troupe. Voilà, c'est pire que pour les chevaux.
Voilà, la petite Coraline. Donc voilà, chacun a ses propres croquettes avec son propre dosage en fonction de l'âge, des régimes, etc. Et il y a un ordre aussi particulier pour les donner. Donc ils sont tous aux aguets, hein. Athéna, Nana, Eden. Eden ? Ouais, voilà. Falco est dans le salon, donc finalement je crois qu'aujourd'hui il n'a pas faim, mais j'ai préparé sa gamelle quand même, qui est celle-ci pour Falco. Donc là c'est pour Kali, là c'est pour Athéna, là c'est pour Falco, là c'est pour Nala, là c'est pour Eden. Oui, on pourrait croire que c'est l'inverse, mais Eden en fait elle est en croquette à volonté, elle s'arrête dès qu'elle a plus faim et je lui enlève. Là c'est pour Nala, une certaine dose de grosse croquette. Là c'est pour Athéna, croquette spéciale chat stérilisé mais à volonté. Kali, croquette spéciale chat régime mais en dosée aussi. Et là c'est pour Falco, c'est des croquettes spéciales chien senior en à volonté aussi. Et il y a un ordre aussi particulier pour les donner pour ne pas créer de frustration ou de bagarre dans la meute. Donc on commence par Kali. Hein, mon cachou. Voilà. Kali. Ensuite Athéna, pas pour des questions de hiérarchie, mais juste pour des questions de bien-être de mes oreilles. Puisque vous l'entendez, elle ne s'arrête plus. Ensuite, là, pour des questions de hiérarchie, Nala. Si Falco était là, je donnerais à Falco en premier. Non, Nala, je t'assure. Tu attends. Tu attends. Non. Eden, non. Tu attends. Vas-y. Et Eden. Hop là. Viens, Eden. Voilà. Je les m'éloigne l'une de l'autre. Voilà. Pour pas qu'il bagarre. Et Falco, tranquille. Falco, t'as faim? Non? Bon. Falco, c'est vraiment comme il a envie. Donc, je sais que quand il a faim, il vient me réclamer, il se met devant le placard et il réclame, on se connaît très bien. Donc là, s'il ne vient pas, c'est qu'il n'a pas faim. Il aura plus tard, il n'y a pas de souci. Voilà, tout le monde a fini de manger. J'ai rangé les gamelles de Eden et d'Athéna qui sont à volonté, du coup, pour que les autres estomacs sur pattes, donc toi et Cachou, viennent pas piquer dedans. Et même Falco en vrai, il est pas gourmand, mais juste par hiérarchie, c'est bien d'Eden. Juste par hiérarchie, et ben il peut aller piquer dans les gamelles des autres. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de croquettes qui traînent, on range tout une fois que c'est fini. Et là on fait une autre petite sortie, vite c'est bien fait, après manger. Voilà, on lui apprend la propreté puisqu'elle a même pas 3 mois, donc la propreté c'est pas encore 100% acquis. Ça vient petit à petit, on voit la différence en 15 jours. Mais il y a encore des petites fuites par-ci par-là. Ah ma belle. Oui. Oh, t'es si brave. Oui. Et on retourne aux écuries. Avec les poulettes. Où est Eden? Eden est là. Je fais une petite pause dans le pansage de Chacha. Tant que la carrière est en train d'être arrosée, vu que j'ai fini de la préparer en fait, pour aller enlever la couverture à Farfa, puisqu'il commence à faire vraiment bon. Donc là je pense qu'il risque d'avoir un petit peu chaud dans sa couette. Voilà, mission accomplie, n'a pas bougé d'un beignet. Trop choupi. C'est un chouchon sage ça, qui n'a pas bougé, qui attend patiemment. Allez, je pose ça, on met de l'icole et on y va Chacha. Oui, on y va, j'arrive. Ça y est, on est prête, on est en carrière. Finalement, je ne vais pas faire de liberté puisque je ne vais pas être seule en carrière. Donc, on va faire beaucoup de connexions, de précisions. Travailler la concentration, le respect, la légèreté. Et je vais sortir sûrement de ma zone de confort en fonction de comment elle va être dans la carrière, dans le sens où si elle est bien, très respectueuse et très légère en carrière, je vais essayer d'aller travailler un petit peu hors de la carrière, en allant sur le parking, un petit peu dans les couloirs et tout, pour vérifier que j'ai toujours cette même connexion hors de la carrière. Voilà, au cas où elle se remette à tracter pour commencer à travailler l'extérieur. Voilà, allez, on est parti.
plutôt une bonne connexion, elle est vraiment très réceptive, c'est très agréable. Je vais essayer de travailler vite fait en bord de carrière, là où elle est très gourmande, qui a un petit peu d'herbe et tout. Et après, on va peut-être aller à l'extérieur, dans l'écurie, sortir de la zone de confort. Voilà, je vais aller donner ça à Farfa, ranger toutes mes affaires et on continue. C'est pour vous, monsieur. Bon, il n'y a pas le jus ici. Il a flippé pour rien. Voilà, bon après. Je me pose une petite minute pour vous partager ma joie parce que je suis vraiment trop fière de la séance qu'on vient de passer. Je sais pas si vous vous rendez trop compte parce que ça peut être assez basique, mais Gitana, en fait, si vous le savez pas, c'est une jument qui a toujours eu tendance à énormément tracter en main. Et là, grâce au conseil en fait de ma nouvelle monitrice Eto Cabalus, je vous mettrai ses liens en barre d'infos, un nouveau travail qu'on fait ensemble, si ça vous intéresse, et ben je ferai une vidéo vraiment axée que là-dessus. Et ben on retrouve une connexion en fait. J'ai pu travailler ma jument hors de la carrière avec de l'herbe, en la laissant brouter et en la reprenant dans la légèreté tout doucement. Je me suis pas fait tracter une seule fois, donc je suis trop fière. J'ai les larmes aux yeux carrément. Enfin, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien, une séance incroyable, autant en carrière qu'après à la sortie de carrière. C'était génial, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis trop fière de mon petit chanchon. Hein? Ah, beauté. Ouais. Je sens qu'on prend vraiment un nouveau tournant là, un nouveau départ avec beaucoup de remises en question, de nouveaux challenges et des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de voir les choses avec des nouvelles personnes. Et c'est super génial. Et elle est toujours pleine de bonne volonté et d'amour, et c'est magnifique. Finalement, j'aurais pas le temps de passer la herse, donc je vais rapidement donner l'eau, enlever la couverture de Nounou tout de suite, comme ça il n'aura pas chaud cet après-midi et je pourrai aller manger tranquillement. Et tout à l'heure, on ira faire les vaccins d'Éden comme prévu. Ah, Manouille! Voilà, tout le monde a mangé, tout le monde a bu.
et chien, ils jouent dans le jardin. Je vais rentrer manger tranquillement. Après, je vais attendre 14h pour emmener Eden. 14h. 4h, 16h, pour emmener Eden à son vaccin. Et ensuite, on retournera tout à l'heure. Ça dépendra à quelle heure on reviendra du vaccin, en fait. Pour retourner s'occuper des chevaux pour le soir. On attend papa pour aller faire le vaccin. On va prendre la route là dans 5 minutes. Ah, mais je me fais traîner. Voilà, on va aller faire son petit vaccin. Oh, c'est du chien malheureux, ça. Adine ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ça va ? Oh, t'es belle ! Le vaccin d'Eden s'est très bien passé, on vient de rentrer à la maison et du coup c'est pile l'heure pour que j'aille nourrir les chevaux pour le repas du soir. Et ça l'a pas perturbé du tout, hein. Elle est en super forme. Allez, fille. Elle a déjà tellement grandi. Allez, Eden. Allez. Et voilà, tous les chevaux ont mangé, tout est ok. J'en ai profité pour ratisser un coup devant les paddocks. Il y avait pas mal de foin qui étaient là depuis quelques jours, qui avaient été emmenés par le vent ou par les chevaux quand ils débordent un petit peu. Donc voilà, là, tout est bon pour tout le monde. C'est cool. Et la journée est finie pour moi. Il me reste à rentrer mort quand même, qui est en train de finir son grain sur les dalles. J'ai recouvert monsieur aussi, et monsieur Farfa là-bas, qui a été rentré du pré. Et voilà, ça y est, tout est ok. J'espère que ça vous a plu de me suivre dans cette journée dans ma peau. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!